prévoir un petit moment avant nous finir pour une salutation spéciale pour maman. Oui, fantastique. Mais moi, je profite même j'ai tout camarade qui est en cours Eiffel. Je salue tout maman à travers le monde et tout maman haïtienne en particulier. Je salue M. Mario, Doc Ludo, quand il me fait des me virer, des me virer, M. Mario. Pourquoi ça, monsieur? Monsieur Gantène, sous, mais tape sur vous. Je salue le député Célestin. Moi, bien content de partager le panel là avec le matin. Merci. Moi-même, moi, quoi, gen un petit wash, un grain de sable qui a tombé dans la machine. Et au niveau du monde, gen un série de bagailles qui passaient entre la France et les États-Unis. Qui pas concerné nous, qui concerne ça qui a passé au niveau de la Russie. Radio Omega. Radio Omega. Que la guerre qu'a faite entre l'Ukraine et la Russie, c'est ce qu'on appelle une guerre par procuration. C'est de l'autre monde qui vient pour régler l'affaire. Et puis, ils ont fait une provocation pour une pile raison. Raison politique, raison géostratégique, raison pour faire test, pour jusqu'à ce que Poutine cabale vraiment. Mettre Poutine dans une situation pour le mettre tout bataille en dehors pour voir qui ça gagne vraiment. Et jusqu'à pousser Baïla vers une menace nucléaire. Naturellement, position les États-Unis, pas position l'Europe. Mais les États-Unis utilisaient l'Europe. Et un pays qui en tête dans 20 États, ça, c'est la France. Pas oublier qu'à un certain moment donné de la durée, la France était entendue avec les États-Unis. Ils ont demandé au président Zelensky pour évacuer. Là, Poutine sortit pour le fâcher tout le monde. Zelensky pas d'accord. Et c'est là, après le conseil de désaccord entre la France et les États-Unis, d'abord pour une affaire de milliards. Pas oublier 52 milliards contrats qui étaient signés avec l'Australie. Les États-Unis passaient même, ils disent, petit besoin comme ça, ils prennent. Et il y a un désaccord entre les États-Unis et la France dans un niveau supérieur. Il y a un problème que vous pouvez résoudre entre eux. Et New York Times, ça, c'est pas un journal, c'est presque un journal gouvernemental américain lié. Mais il ne faut pas prendre le gouvernement américain dans le sens de ceux-là qui sont au pouvoir aux États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est un pays qui réellement fonctionne avec un gouvernement visible, côté un président, un ministre. Mais on va dire le gouvernement réel, le shadow government. C'est le monde qui va jamais au pouvoir, mais c'est eux-mêmes qui dirigent la pensée américaine. Bagay ça fait. Pour Haïti kounye là automatiquement il vient relancer le personnage Jean-Bertrand Aristi invariablement c'est pas un bagay qu'a fait au hasard il tellement vient relancer le personnage Jean-Bertrand Aristi sorti dossier a et puis kounye c'est quand qu'on vient sorte des dénonciations c'est pas moi même c'était ou même oui c'est vous que t'es vlé moi même son avion c'est le même débat. Nous avons tous que c'était une action entendue entre les États-Unis et la France pour évacuer le président Aristide. Mm-hmm. Mais à la source de qui ça, initialement? Pas oublier que dans la période contemporaine, c'est avec le président Jean-Bertrand Aristide que particulièrement le gouvernement démocratique fait plus comme que le patagem imaginé que vous avez fait sous dos Haïti encore. C'est et pas oublier le président Aristide rentré avec 20 000 soldats américains que le président Clinton accompagné le vini. L'idée dit nous, on dit des autres différents pour qu'on dit nous qui dit des autres. La guétant dit nous. C'est suite à tout mouvement ça, qu'on peut avoir toute déflagration pour le fait côté toute propriété haïtienne pour le passer dans les infrastructures américaines.
présidé justement par Bill et Hillary Clinton. Pas oublier que c'est Bill et Hillary Clinton qui ont réémergé sur l'espace politique haïtien en 2010 pour mettre un gouvernement apparemment de droite, mais fondamentalement avec un pile agent aristidien pour continuer consolidation en politique qui était faite initialement par les démocrates avec le président Aristide. Donc nous avons un projet présent vers l'avenir. Et il y a un monde qui est au pouvoir aujourd'hui qui a un pouvoir indéterminé. Tout le monde voit que le seul bagage qui kembel, c'est un tweet qui kembel, encore par même équipe ça. Par même équipe ça. En superposition, quand on a apparemment un monde qui est Ariel Henry qui a dirigé, mais tout le monde connaît qui moun guide elle, et tout le monde connaît qui moun guide elle, moun sak de elle. Donc, nous avons un projet côté Haïti utilisé comme champ d'expérimentation, champ d'entraînement. Côté fort, moun ta débile pour ta penser qu'on a fait de l'argent qui peut restituer Haïti. C'est pas vrai. Et là, je d'accord avec approche député Hugues Célestin. Hein? L'elle dit si jamais vous avez enclenché le processus, vous pouvez ranger pour vous faire un bagage pour la façade, pour que comme passe en toile dans la figure malhonnêteté que vous faites à travers le temps, à travers le monde qui va jamais effacer. Mais dans la réalité, on a l'autre manœuvre pour vous récupérer comme là. Mais vous récupérez plus déjà. Vous récupérez plus déjà. Parce que les Clinton déjà approprié à partir des frontières sont en profondeur de 10 km sous espace territorial haïtien. Tout côté gain, toute mine d'or, de nickel, de uranium, toute qualité bagaille. Et toute bagaille qu'a fait de Pointe Matissan jusqu'à base la plaine du cul de Sacla, c'est pour l'occupation des espaces de pétrole par un désordre indéfini. Pour nous chita à parler de bagaille, pour ne pas guetter, pour ne parler aucun bagaille sérieux. D'autant que il y a une inquiétude, yo pas connaît jusqu'qui bon Poutine praler et les États-Unis obligés faire référence à réserve stratégique pétrolifère li pour le cap faire face pour kembe équilibre prix à l'intérieur des États-Unis alors que l'Europe est en bouleverse déjà et c'est une raison de désaccord la France avec les États-Unis parce que l'Europe commence à payer conséquences très lourdes sur l'augmentation des prix des produits pétroliers. Donc Haïti lui-même qui est dans tête pétrole Venezuela et décision prise les États-Unis fin prend soufflette dans même Maduro totalement dit pour le désolidariser avec Poutine, il dit que bon naturellement faut monde ta sorte net pour ta comprendre que les Venezuela ta cap bail accès à bail ça. Donc Haïti vient retrouver dans mi-temps un conflit international côté le bagay en rien pour l'avel mais côté gen des boom qui cap obligé fait tellement Haïti capable gen l'argent que obligé exploiter à vue donc on s'est dit qui commencer à tendre nature mais à tendre nature sur à plusieurs points de vue parce que gen une étude que me recevoir beaucoup approfondir parce que me recevoir hier soir dès 1h du matin beaucoup approfondir son étude, son analyse, qui dit toute bagaille qu'a fait là, c'est une femme qui déjà choisi pour la prochaine présidence d'Haïti après yo fin résoudre crise présente ça et femme ça son femme m'pa k'ap dire très proche à président Aristide m'ta k'ap dire t'ta k'ap dans même cabane avec même et coucou c'est donc son analyse que monsieur recevoir un peu approfondi donc on pas parler. Donc allez, c'est un désaccord entre la France et les États-Unis sous ça? Non, c'est pas désaccord. C'est une série de mises en jeu mais qui lié à des un conflit qui lié à des problèmes d'ordre économique qui pas gagner pour loi politique. Faut ouais Romanes et Colo a
bien éviter malgré tout et contentieux, mais écoutez, nous pensons que nous ne pas dire comme ça. C'est faux, aborder des questions géopolitiques là, très bien, d'accord tout. Mais cependant, nous-mêmes, nous avons un dossier par nous, nous avons affaire par nous. Donc là, il m'a dit, Colo, nous avons 5 millions de dollars là, un juge suisse qui va aller. Oui. Nous parlons d'elle. Avoir Duvalier, Coblité prend, moi je me connais. Parce que je suis un avocat, je suis juste la donne. Peut-être que je sais, il va se faire mourir, je ne sais pas. Comme nous avons un mois de Mégoulia là, il dit, il était plaignant la donne. Il a fait un dossier avancé. Nous avons fait une décision, et comme là. Nous parlons d'elle. Donc, moi-même, je ne sais pas qu'on est, ça n'a fait. Ça n'a dit parce que, Napchit n'a dit, Haïti est un pays pauvre. Alors que c'est appauvri, il a appauvri nous en quelque sorte. Si tu me permets, oui. Gen deux bagailles. Il y a une analyse sur les jeux et les enjeux de la politique étrangère, influence que le capable gagner sur Haïti. Ça, c'est une question. Maintenant, comment nous-mêmes, à l'intérieur, nous capables de réagir, sont l'autre question. Nous sommes analysés à vos pas, là, les jeux et les enjeux qui gagnent entre pays qui pas gagnent, qui pas haïtiens, mais qui gagnent des enjeux économiques extrêmement importants en Haïti, passé, présent, mais surtout à venir. Maintenant, moi-même, m'a dit ça publiquement. Président Aristide, c'est un monde qui regrette politiquement en Haïti. Regrette type gestion que lui-même et un président, par exemple, seul, il est toujours entouré avec un pile monde que le portail a fait de pouvoir. Maniga pas de président. Ok. Maniga. Dépend de côté. Non. Maniga c'est un côté. Maniga c'est à droite ou à gauche. Maniga c'est un coup fourré. Moi-même, je ne vais pas analyser le phénomène politique, m'analyser avec la froideur du milieu. Devant nous, même pas de saltarer, mais. Très bien. Si. Colo, on va pas dire banal. Depuis 2004, on connaît. Bon opinion. Oui, on connaît. Mais bon opinion, bon analyse. Si Jean-Bertrand Aristide avec un tempérament différent. Pourquoi ça vient là? Excuse-moi. C'est d'indépendance. Excuse-moi. Un fond de formation différent. De la tempérance, eh bien, Haïti t'a monté son piste parce que à l'intérieur, moi-même, je connais, Jean-Bertrand Aristide a proclamé le passé comme président. Tout le monde qui te connaît, qui te connaît, qui te anormal par rapport à l'État haïtien, tout le monde a cherché qui j'en pour ranger papier pour mettre en ordre. Très bien. Bon, une seconde. Docteur Schiller, allez-y. Bon réaction. Une bonne réaction sous question. Moi, j'ai quelques temps m'a fait des analyses sur tiens Haïti, pays, pour moi, pas gagner un cap marché. Et nous, pas sortir côté ni là. Et, quand je dis à mettre Mario Sotzon, il y a un élément de formation que je connais, mais je connais pas assez, parce que c'est avocat lié, il est dans la bataille ça. On prend. Soyez cher maître. Non, mais lui, un avocat chevronné. Et plus expérimenté, mais moi, on est qui fait. Il a même osé parler d'avocat, oui, comme après. En 2004, j'étais comme ça. Oui, mais mon cher, mais ça vous a pris près de 12, 15, 17, 20 ans. Non, non, bon, ok. Pour mûrir. Voilà, pour mûrir. Il faut avoir de la sagesse. L'interrogation sous yo maintenant pour réseau simple. Parce que pour moi, l'international, s'il gagne un pays, il y a un complot clair contre lui, il est Haïti. Je dis c'est intérêt au lieu de pays. C'est la pour voir. Attendez, mais voilà. C'est la pour voir. On analyse, non, maître Mario, c'est la pour tout. On analyse correct qui rejoint Samdou là. C'est pour ça moi-même, moi, je dis que. Problème non pas pral chita, chaque leur garder intérêt les problèmes États-Unis. L'on est campé, monsieur, ou premier ministre, il me fait manifestation devant. Parce que nous sommes, nous sommes pacifiés. Parce que ou pas qu'à contrer avec Mounzaïo. Et il y a caché.